Nous élevons ton nom ce bon matin. Nous sommes réunis encore en ton nom, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu prennes contrôle de toutes choses. Seigneur Jésus, en ce moment, nous nous livrons en tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu prennes contrôle de toutes choses. C'est l'esprit de Dieu et ta main. Que ta puissance descende dans ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Que ta vertu se manifeste dans ce lieu. Papa, que ta droite, Seigneur Jésus, nous vienne au secours en ce lieu. Papa, nous prions que ton sang nous couvre. Seigneur, place autour de nous une muraille de fer ardente au nom de Jésus. Papa, nous déclarons, Seigneur Jésus, que toute œuvre ténébreuse, que toute œuvre de la sorcellerie érigée en ce lieu, Seigneur Jésus, soit anéantie au nom de Jésus. Grand Dieu, grand, prends contrôle de tout. Et agir en ce lieu. Que la chair se taise et que les saints se prennent contre toutes choses. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus, 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 Jésus. Shalom à ta soeur. Shalom à ton frère. Shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Dis-lui que la paix du Seigneur soit avec lui. Souhaite-lui la bénédiction du Seigneur. Souhaite-lui la bénédiction du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur pour ça. Bénis le nom du Seigneur pour ça. Bénis le nom du Seigneur pour ça. Thank you.
Alléluia. 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 Et que Amen. Jésus-Christ est l'Amen. Si tu dis l'Amen, c'est que tu invoques le nom du Seigneur Jésus. Tu invites l'activité du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Alléluia. Nous allons élever nos voix et bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a permis que nous soyons là ce matin. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et dis merci au Seigneur Jésus. Celui qui a pris soin de nous. Celui qui nous a gardés pendant toute une semaine. Celui qui a veillé sur nos vies. Celui qui nous a épargné de la maladie. Celui qui nous a épargné de l'accident. Et nous a encore gardé en vie. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Parce qu'il est digne. Parce qu'il le mérite. Parce que lui seul mérite la puissance. Il mérite le remerciement. Élève ta voix, dis merci. Seigneur, je te remercie. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Qui sommes-nous sans toi, Seigneur? Qui sommes-nous sans toi, Seigneur Jésus? C'est toi qui as veillé sur nos vies. C'est toi qui as veillé sur nos années. Et c'est toi qui as veillé sur nos retours. En toutes circonstances, Seigneur Jésus, tu es toujours avec nous. Parce que tu as veillé sur ta parole. Tu as dit, Seigneur Jésus, que tu seras toujours avec nous. Et c'est là, pendant toute la semaine. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous bénissons ton Seigneur. C'est pourquoi nous élevons ton nom. Parce que ton nom, c'est ton nom qui a une tour autour de nous. Merci Jésus. Élève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce qu'il est digne. C'est lui qui t'a gardé de l'accident. L'ennemi ne veut pas que tu vives. Mais aujourd'hui, l'essayer t'a conduit à ce Seigneur. Ce n'est pas par ta propre force. Mais c'est la grâce du Seigneur Jésus. C'est par l'amour de Jésus que tu es ici ce matin. Que tu es ici ce matin. C'est pourquoi tu lui merci. Ne fais pas ta bouche. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur Jésus. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est digne. Parce que tu es digne. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est digne. Tu pries, 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 Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, 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 béni. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, béni, alléluia, béni. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Dieu nous a révélé ce que doit être réellement un enfant de Dieu. Avant tout ce que nous venons de lire dans le psaume 15, nous reconnaissons que dans la semaine, nous avons agi contre cette parole. Nous sommes des gens qui hésitent d'intérêt à notre argent que nous prêtons aujourd'hui. Nous sommes des gens qui calomnient en secret. C'est nous qui répandons le pourpre dans le monde. Nous sommes des gens qui sèment la calomnie, qui divisent les frères et sœurs. Avec notre langue, nous détruisons nos semblables. Alors la Bible a dit que la parole est sur ta langue. Et la parole qui sort de ta langue peut bénir.
Elle s'appelle Moti et Kalamni. Mais qu'est-ce que nous avons fait de nos langues toute la semaine? N'est-ce pas pour calomnier? N'est-ce pas pour dénigrer les autres? Maintenant, nous allons entrer dans un moment de réponse. Tout ce que tu reconnais que ta langue a dit, ce que tes yeux ont vu, ce que tes oreilles ont entendu, qui n'est pas de Dieu. Nous allons incliner nos cœurs devant le roi des rois. Il a dit, venez à moi. Ce que tes oreilles ont entendu, ce que ta langue a dit, la Bible dit que chacun sera jugé. Toute parole vaine que chacun a prononcée, chacun sera jugé par sa parole. C'est pourquoi tout ce que tu as dit, tu es devant le roi de toi. Confesse-lui tes péchés. Jésus ne te condamne pas tant que tu vis. Et il y a de l'espérance pour toi. C'est pourquoi confesse tes péchés. Dis-lui ce que tu as fait qui n'est pas bon. Jésus-Christ est devant toi. Il est devant toi. Il veut seulement que tu confesses tes péchés. Et que tu prennes la résolution de ne plus retourner vers cette folie. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement la repentance de la bouche. Il veut ta repentance. Et il veut que tu produises les fruits dignes de la repentance. Que tu produises les fruits dignes de la repentance. Il faut que tu manifestes réellement que tu t'es repenti. C'est ce que le Seigneur, que tu ne vas plus répandre les mêmes choses. C'est cette repentance dont le Seigneur. C'est de ça a besoin notre Dieu. Sa main n'est pas courte pour délivrer. Ses oreilles ne sont pas dépendantes. Et c'est ce péché qui l'éloigne de nous. C'est nos iniquités qui l'éloignent de nous. C'est nos erreurs que nous commettons tous les jours qui l'éloignent de nous. Maintenant, tu es enfant du Seigneur Jésus. Confesse-lui tes péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. Aidez-nous priver de tout souffrir. Confesse-lui tes péchés. Et promets à lui de ne plus recommencer. Promets à Jésus de ne plus recommencer la même erreur. De ne plus recommencer la même erreur. Promets cela à Jésus. Fais-lui cette promesse. Fais-lui cette promesse. Seigneur Jésus, pardonne tout le monde. Seigneur, pardonne chacun de nous. À chaque instant, nous péchons. Seigneur Jésus, les yeux regardent ce qu'ils n'ont pas regardé. Nous livrons nos oreilles à entendre ce qu'ils ne doivent pas entendre. Nos bouches pourront des paroles déshonnêtes. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur Jésus, pardonne chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. C'est toi qui pardonnes. Si toi tu ne pardonnes pas, qui nous pardonnera? Seigneur Jésus, c'est toi qui pardonnes. C'est pourquoi pardonne-toi pour ce matin. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Purifie tes cinq sens. Afin que tu sois pur. Afin que tu sois irrépréhensible. Afin que tu sois digne devant le Seigneur. Afin que tu sois justifié. Nous voulons prier ce matin. Mais le Seigneur a dit, celles et ceux qui sont justifiés ont la prière efficace. C'est pourquoi invoque le sang de l'agneau pour te justifier. C'est le sang de Jésus qui justifie. C'est l'œuvre que le Seigneur a accompli sur la croix qui nous justifie. Invite le Seigneur de ta vie. Seigneur de Dieu, remplis ma vie. Remplis-moi. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame Jésus, acclame Jésus, 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 Jésus
je bénirai, bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Oui, je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Oui, je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Oui, je bénirai l'Éternel des armées en tout temps et en tout lieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche tous les jours de ma vie. Ton amour nous environne, mon Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous. Ton amour nous environne, mon Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous. Ton amour nous environne, mon Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tout. Jésus, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'attends du verrou pour nous arracher du feu de l'enfer. Jésus, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons. Jésus, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Yes, we're
l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Oh, elle est là, elle est ici, elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Oh, elle est là, elle est ici, elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout, les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit. Alléluia. Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la sainte doctrine a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la sainte doctrine a sonné dans mon cœur que Jésus soit. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit. Alléluia. Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 Alléluia, l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Alléluia. Acclamez Jésus de Nazareth. Acclamez Elohim. Acclamez le Père de Père. Acclamez celui qui règne. Acclamez celui qui a le commencement et fait. Acclamez le béni et béni. Acclamez celui qui change. Acclamez le Père de Dieu. Acclamez la tête de l'Église. Acclamez celui qui règne. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Ça fait beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse que je m'adresse à vous ce matin. Je suis très content de voir les frères, de voir les sœurs, même les petits enfants se réunir pour célébrer Jésus. Pour en laisser leur maison, on laisse leur date, leur lit, on laisse les casseroles, on laisse la télé, et se sont assemblés ici pour adorer le Dieu qu'on ne voit pas, mais qui vit en nous, qu'on le sent. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Ce Dieu n'a pas de semblable. Alléluia! Amen. On ne peut pas le représenter. Il est irreprésentable.
C'est lui qui a tracé le cercle de la terre. C'est lui qui a rempli la terre de créatures. C'est lui qui a posé les cieux. Et a établi la main des cieux. Et il s'est positionné au-dessus des cieux. Et au-dessus des cieux, il y a encore des anges, des myriades qui l'attendent, qui le célèbrent. Il y a des anges qui sont tellement si puissants. Ils sont tellement géants. Ils dépassent même des maisons à étages ici. Ils dépassent même 20 étages. Des anges. Ils sont au ciel. Ils s'inclinent. Alléluia. Mais toi, si tu te compares à un ange, tu es comment? Est-ce qu'on peut voir même ton image à côté d'un ange? Voilà que des anges. La petite dit qu'il cache le visage. Parce qu'il ne peut pas voir Dieu. Parce qu'il ne peut pas voir Jésus. Et il adore. Et il dit c'est à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Maintenant, on dit toi, venez ici. On va adorer. On va faire comme ces anges-là. Là, tu vas regarder la vie que tu as portée. Tu vas regarder ta position sociale. Tu vas regarder à gauche et à droite. Tu vas regarder par terre. Avant de suivre le mouvement. Alléluia! C'est ça l'adoration. Il faut que vous voyez tout en esprit. Le Dieu que nous servons, ce Dieu, nous devons le rechercher dans la parole. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas le représenter. Tout ce que les gens font sur la terre, c'est une histoire de la rébellion. Comment les hommes ont pu imaginer Dieu pour le représenter? Il est comment? On dit c'est lui qui a tracé la terre, c'est lui qui a mis tout sur la terre. C'est lui qui a formé les saints les plus géants, tout. Il est comment pour qu'on le représente? C'est pas dit que vous ne pouvez pas me représenter. À quoi je ressemble? C'est pourquoi il faut que tu le vois dans cette dimension. Il dépasse l'éternité. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est en toi. Alléluia. C'est pour te donner cette assurance ce matin. Pour que tu sois sûr de celui qui est en toi. Tu dois avoir peur de rien. Les sorciers les plus terribles de ta famille ne sont rien devant toi. Juste un petit claquement de main vont tomber. Alléluia! Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je vais bénir ton Seigneur ce matin. Comment est-ce que tu es merveilleux, Dieu? Oh Seigneur Jésus-Christ, maudit ceux-là qui ne t'ont pas connu. Mais heureux ceux qui t'ont connu. Et tu nous as fait grâce de te connaître et de nous approcher encore de toi. Nous qui autrefois étaient un repère, étaient un idolâtre, étaient un ennemi à tout ce qui est pire. Aujourd'hui, tu fais de nous des personnes. Avec du bien.
des personnes et des enfants de lumière, des enfants de la justice, parce que nous sommes générés de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, c'est dans la joie que nous t'adorons. C'est dans la paix que nous t'adorons. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit comme assurance que là où deux ou trois sont assemblés et invoque le nom de Jésus, tu es là. Parce que tu te meurs dans la communion. Parce que tu te meurs dans l'unité. Parce que tu te meurs dans la paix. Dans la joie. Ce matin, nous sommes convaincus que tu es là. Quand tu es là, tu es là avec ton âme. Et nous sommes rassurés. Seigneur Jésus-Christ, non seulement tu nous as appelés, mais aussi pour nous nourrir, pour nous libérer, pour nous restaurer, pour nous fortifier et pour nous sauver. Seigneur Jésus-Christ, ce moment, tu relèves cet esprit, je te le consacre. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de lumière, Esprit de justice, toi qui es la parole vivante, qui pèse le cœur, je prie. Fais le moment. Descends dans les cœurs. Et entre dans les cœurs. Et libère les cœurs. Pour ta parole. Seigneur, relève tes enfants. Et je prie. Sous l'onction du Saint-Esprit. Contre tout esprit. Contre tout esprit. Esprit méchant, esprit stupide, venu en ce lieu, vous troublez ce moment, vous semez la lourdeur pour créer des confusions, pour apporter le sommeil. Je commande que la flamme de feu de l'Éternel vous embrasse, vous embrasse, vous embrasse, que du cœur de la terre des flammes de feu sortent et vous engloutissent, et du roi des cieux des flammes de feu descendent pour vous engloutir, que vos places ne soient plus trouvées en ce lieu. Que la lumière de Dieu embrasse Dieu. Seigneur Jésus, ton serviteur que je suis, je te prie de me sanctifier. Sanctifie mes pensées. Sanctifie mon cœur. Mon esprit. Mon âme. Seigneur Jésus-Christ, que ton peuple soit sanctifié aussi. Par ta parole qui est la vérité. Seigneur Jésus-Christ, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue encore ce matin. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à notre deuxième culte sur le site de Calavi. Et la dernière fois, il y avait cet visage qui était là, mais aujourd'hui, il y a de nouveaux visages. Alléluia. Amen. Ça montre que les gens s'informent de jour au jour. Et le niveau est dans nos aïkaleurs. Peuple de Dieu, le Seigneur nous a donné un message fort quand
il allait mourir. Quand il allait partir pour le ciel, quand il allait laisser cette enveloppe corporelle, et cette parole se trouve dans le livre de Matthieu 28. Le Seigneur nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il va nous dire ceci, Matthieu 28, le verset 19 et 20. Il y en a des 28 tentats, et oui, à fort, pour le repos de Jacob. Amen. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, continuez. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Il dit, tu veux bien. Et donc, allez. Mais. Allez. Mais. Tigu. Boudou. Alléluia. Allez. Mais. Tigu. Faites mon blog de toutes les nations des disciples. Aïron les pidobla kota kina. Nous pouvons vivre. Allez, mais faites mon blog de toutes les nations. Mettons les pis des disciples. À kota les pidobla nous pouvons vivre les noms. Deuxièmement, ordre. Allez. Un titan et le mi. Ça c'est le premier ordre. Un bêta qu'un titan. Deuxième ordre, oui, bétaquin, we go. Faites des nations des disciples. On continue. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Troisièmement, ordre. Un bétaquin à ton temps. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quatre fois. Allez. Mais faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est voilà la mission de l'Église. Jésus ne nous a pas envoyé pour faire une religion. Alléluia. Amen. Le message de ce matin nous interpelle sur la mission principale de notre appel. Gloire à Jésus. Amen. Vous qui êtes ici, c'est parce que quelqu'un vous a appelé. Vous avez été appelé d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un est venu vous parler de Jésus. Jésus pour nous. Alléluia. Amen. Quelqu'un est venu vous parler de Jésus. Vous avez suivi peut-être à la télé. Ou bien sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a un moyen par lequel ce matin vous êtes venu. Quelqu'un est
Alléluia. Amen. Et vous êtes venu au nom de qui? Au nom de qui? Jésus. Et pour qui? Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes venu au nom de Jésus et pour Jésus. Jésus. Pour de Dieu. Donc on a le message. Oui, après nous l'avons entendu. Sauf mon dit, je n'avais rien préparé. C'est tombé sur moi-même que le message m'est tombé. Je vous dis la vérité. Le pasteur m'en est témoin. Alléluia. Amen. Le message qu'on avait préparé, vous savez ça. C'était ce message qui était préparé. Mais quand on est venu, le Seigneur vous a révélé autre réalité. Parce que le message, donc chaque message qui est donné, moins le coup de non, plus difficile. Et donc, il nous met en voie de donc dans la mer, il a comme il doit dire. A pour plus d'enseigner. Et donc, il nous met là donc pour nous mettre bon. A pour plus d'affectif. Et ni nos mettons sauf si on l'a et non zébéton donc plus de reprendre. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous appelle à la mission de la grande moisson. Alléluia. Amen. Quand nous disons que les temps sont finis, beaucoup comprennent mal ou bien ne comprennent pas. On dit les temps sont finis, mais on continue de compter encore les jours. Alléluia. On dit les temps sont finis, on continue encore de compter les mois. On continue encore de compter les années. Le soleil se lève et se couche. Et des jours de succès. On dit que les temps sont finis. Bon, mais quel temps est fini? Alléluia. Mais quel temps est fini? C'est la question qu'on doit se poser. Quand nous disons aux gens, ah, les temps sont finis. Les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Alléluia. Amen. Quand on dit les temps sont finis, qui a compris? Comment vous comprenez ça? C'est ce que je vais vous demander. Oui, notre soeur. Ça que le retour de Jésus, le retour de Jésus est déjà proche. Très bien, que le Seigneur te bénisse. Quand les temps sont finis, notre soeur dit, c'est pour dire que le retour de Jésus est proche. Je ne suis pas sûr que c'est la même chose. Vous pensez aussi? Bon, c'est ce qu'il a dit là. C'est vrai, c'est une réponse. Qui d'autre? Oui, notre maman. Jésus est à la porte. Jésus est la porte. Jésus le rangi. Donc le retour de Jésus est proche. Jésus est à la porte. Les temps sont finis. Vous criez, non? Et les temps sont finis. Répondez-vous, les temps sont finis. Jésus revient. Jésus dans les vous dites aux les temps sont finis, mais quel temps est fini? Nous on se lève. Non, non, on va à nos occupations, travailler à 24 heures. Les 24 n'ont jamais changé dans la journée. Il y a des jours où on a moins de 24 heures. Tout va normalement, non? Je vous dis les temps sont finis. Oui, il va faire. Les temps sont finis. Ça veut dire. Racheter les temps. Ah, le frère dit racheter les temps. Et donc, micro pour nous les doit attendre quand les aller. Parce que les mauvais jours s'approchent. Alléluia. Amen. Si vous prenez les trois explications de nos frères et sœurs. Là-bas que toutes les explications tournent vers un point commun. Attendez bien, il y a le point commun. La première personne dit que ça veut dire Jésus. Le retour de Jésus est proche. Oui.
Alléluia. Le retour de Jésus est proche. La seconde personne dit, Jésus est à la porte. La troisième personne dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Vous savez, tout ce que vous avez dit est vrai. Quand nous disons les temps sont finis, il ne s'agit pas exactement. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé dans le jardin d'Éden. Cette fameuse histoire que tout le monde connaît. Autant, la chute de l'homme. Dans le Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Genèse 1er. Allez, allons rapidement. Amen. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Continue. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Très bien. Allez, chapitre 2, suivez bien, on va parcourir un peu pour pouvoir ressortir ce que vous dites. Chapitre 2, les versets 16 et 17. Je lis au nom de Jésus. Verset 16. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. On continue. Chapitre 3. Le verset 6. Après le verset 6. Jusqu'au verset 9. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur.
Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es. Amen. Ça peut aller. Après nous avons lu que Dieu a donné l'ordre à l'homme. Tu as donné un commandement à l'homme. Et leur dit. De manger tout. Tout ce qui est dans le jardin, sauf à l'arbre du bien et du mal, la cause du bien et du mal. Et à la fin, on a constaté que la femme a mangé et a pris l'homme aussi et ils ont mangé les deux. Et la Bible dit, ils ont rendu compte qu'ils sont devenus nus. Et quelque chose va se passer au niveau du verset 8. Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient. Loin de la face de l'Éternel. On dit loin. Ils se sont cachés loin de sa face. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Où es-tu? Vite aller. Où es-tu? Vite aller. Il a vu d'où est venu, où es-tu? Mais mon pied, vite aller, est ton fien, est conscient. Où es-tu? C'est surprenant que Dieu vit dans le jardin et ne trouve plus l'homme. Et dis donc, Maudo qui parle. Pas parce que maman béton. Je ne vois pas tout, c'est pas ça. Et ma yin dans ma wa et ma mon. Dieu se met à la dimension de l'homme pour parler. Loa maou sort et y'a des taux. Parce que la Bible dit que Dieu voit au fond des ténèbres. Donc, moi, que les ténèbres sont comme de l'aurore devant Dieu. Et qu'il a pour même demeure les ténèbres. Dieu a pour demeure les ténèbres. Non. Alléluia. Je ne dis pas que tu es ténébreux. Non. C'est une manière de dire quoi? Que Dieu réside dans l'inaccessibilité. Dieu se cache dans les ténèbres. Parce qu'on ne peut pas le voir. Donc lui voit tout, il connaît tout. Il va dire, Adam, où es-tu? En fait, il se met dans la position d'Adam pour parler. Et qu'est-ce qui va se passer? Adam va sortir une phrase. Adam, il dit, j'ai entendu ta voix. Et j'ai peur. Voilà comment la peur vient dans le monde. La peur vient lorsque il y a désobéissance. Je ne suis pas là pour penser ça ce matin. Mais cette histoire, je rappelle pour mieux expliquer ce que me dit les temps sont finis. Ce qui s'est passé dans cette histoire, on a constaté que l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Alléluia. Et puisque l'homme s'est éloigné de Dieu, alors Dieu se met à la recherche de l'homme. Parce que c'est Dieu qui s'est mis à chercher l'homme. Pas que l'homme s'est mis à la recherche de Dieu. Parce qu'on aurait pu dire, Adam se met à chercher les ténèbres. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai mangé le fruit défendu. Où es-tu? Mon Dieu, où es-tu? Je te cherche, j'ai mangé le fruit. Au contraire, il s'est enfui.
Il s'est caché. Ma roi de Kondo est bon. Et c'est Dieu maintenant qui se met à la recherche de l'homme. Ma roi de Soro est bien. Malgré sa désobéissance, Dieu le cherche encore. Dieu entend de l'appeler encore. Il appelle. Alléluia. Il ne veut pas qu'il s'éloigne de lui. Alléluia. Amen. Toute cette désobéissance a conduit Adam et Adam à se séparer définitivement de Dieu. Et et non seulement Adam, mais toute la progéniture d'Adam. Parce que l'Éternel Dieu a dit quelque chose en nous tout à l'heure. Dans le chapitre 1, le verset 26, lorsque nous on descend un peu, verset 28, il va dire ceci. Verset 28, il va dire Dieu l'a béni. Et Dieu l'a dit, soyez fécond. Mais multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc il doit être fécond. Il doit porter de fruits. Il doit se multiplier. Il doit remplir la terre. Mais Adam et Ève ne peuvent pas, quand elles remplissent la terre, s'il ne faut pas de la reproduction. Dieu parlait à Adam pendant que Adam était encore dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Dieu parlait à Adam pendant que Adam était dans l'obéissance. Donc la loi de l'Éternel selon laquelle Adam doit être fécond, doit remplir la terre, doit dominer la terre, c'était sous l'obéissance. Voilà maintenant qu'ils ont rentré dans la désobéissance. Et il y a une séparation définitive entre Dieu et l'homme. Donc l'homme va se trouver dans une logique quoi? Il va se multiplier dans la désobéissance. Il va se multiplier dans le mal. Il va se multiplier dans le péché. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Depuis Adam, tous ceux qui sont dans Adam sont de la race du mal, du péché. Donc Dieu, se mettant à la recherche d'Adam, en réalité, c'est à la recherche de tous ceux que Adam Adam Bagia et le Yuan de Mawaro. Aimé. Donc c'est Dieu se met à la recherche de la race humaine. Et c'est là qu'il a mis son plan de rédemption en œuvre. Gloire à Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu. Cela nous rappelle réellement que notre Dieu, notre Seigneur, a toujours voulu que nous soyons avec lui. Il a toujours voulu que nous soyons toujours sous sa couverture. Alléluia. Que nous demeurions sous son ombre pour être en sécurité. Mais l'homme a choisi le chemin de la condamnation. Et c'est de là le péché s'est multiplié jusqu'au temps de Noé. On a vu ce qui s'est passé. Alléluia. Il y a quelque chose qu'on la Bible n'a pas précisé, mais la Bible dit d'une manière cachée. De ton pantalon, mon loi. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, on va pas lire ça. Alléluia. On aura encore de l'occasion pour vraiment expliquer ce qui s'est passé réellement au temps de Noé. Et que effectivement, Dieu devait détruire l'humanité. Alléluia. Amen. Donc, le péché a tellement rempli la terre au pauvre. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Vous imaginez ça, tu fais comme une sorte de je ne sais pas si ça va dire une erreur ou bien une ironie. Ou quoi. Parce qu'on dit que Dieu connaît tout.
Ou bien, il est l'alpha et l'oméga. Avant de commencer, là, il y a fini. Donc, avant de créer l'homme, il sait qu'il y a fini. D'accord, comment tu as dit que Dieu à un moment va s'affliger en lui-même? Et ton pied dans le loi était quand tu vas voir Dieu s'est affligé en lui-même. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et donne un bouton dans ton dap. Donc, Dieu. Vraiment, le péché de l'homme est monté vers lui et crie contre son trône. Et la colère de Dieu est descendue pour achever la rage humaine. Oh, regardez, si Dieu détruisait toute l'humanité là, la terre ne servirait à rien. Alléluia. Amen. C'est pas si vous regardez maintenant le schéma de la création. L'homme est venu à la dernière étape. Alléluia. Dieu a mis l'homme à la dernière étape. Pour le faire régner sur tout ce qu'il a créé. Si nous avons pu créer l'homme premièrement. Après il a créé. Le jour, la nuit, la lumière, etc. Alléluia. C'est pour dire que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît ta fin. Et c'est là où tout a fini. Il sait ça. Mais toi, tu ne le sais pas. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu, je vais vous dire quelque chose, ça c'est une partie de ouvrir. Pour vous dire en réalité, ceux qui vont consulter les devins pour sauver le futur, en réalité, pêche contre eux-mêmes. Je vais vous dire quelque chose. Personne ne connaît le futur. Personne ne connaît le futur. Même le diable ne connaît pas. C'est ça même que je vais expliquer. Le diable ne connaît pas. Ce que le diable connaît, c'est quoi? Vous savez, avant que quelqu'un ne vienne dans le monde, c'est dans le plan divin. C'est dans le plan divin. Donc avant que tu ne viennes là, spirituellement, le plan de ta vie est sur toi. Donc dans le plan. Peut-être on dit que toi tu seras peut-être gouverneur peut-être d'un état. Ou bien tu seras un prophète, un serviteur, ceci, cela. Mais ça c'est le plan qui est sur toi. Et ce plan a quitté l'éternité. Donc ce plan vient. Et quand ce plan vient, arrêtez le diable. Et aussi esprit. Avait aussi la connaissance. Avait la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelait Lucifer. Il était porteur de lumière. On l'appelait la sagesse. C'était l'ange le plus proche de Dieu, donc il connaissait Dieu. Et il était là aussi quand créait l'homme aussi. Alléluia. Donc, ce plan est sur la vie de la personne. Et le diable veut entraîner l'homme dans sa rébellion. Donc, lorsque l'homme vient dans le monde, il vient avec le plan. Il vient avec ce qu'on appelle la destinée. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la destinée. Il vient avec la destinée. Il va sortir d'une famille. Dieu va faire partie d'une famille. L'apôtre Jésus aussi est venu par une famille. Les apôtres sont venus par une famille respective. Donc tu dois passer par une famille. Ah Jésus. Nous pouvons pas être à la fois partout dans le monde. Et alors il va établir
des représentants. Et sommes faits dans la donc il a organisé le monde. Et il a fait somme. Il a structuré le monde. Et il reçoit des informations en temps réel. Et alléluia. Alléluia. Amen. Et ces représentants, ce sont les sorciers de la famille. Et ce sont eux en réalité qui représentent physiquement. Le règne de Satan dans la famille. Et spirituellement, il communique avec les démons. Donc un sorcier vient agir, il va agir par les démons, c'est tout. Donc si l'esprit de peut-être de grand-mère qui mal qui se met dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pas que me mère vit dans la vie de la personne, non. C'est pas la tête qui est dans son corps, non. Mais c'est les esprits qui répondent à son nom. Les esprits à qui il a donné autorité. Et les démons agissent en son nom. Vous avez vu? Suivez bien la logique. Les démons sont au service des sorciers. Les sorciers parlent et les démons exécutent. Alléluia. Cela vient de Dieu. Il y a quelque chose qui est écrit dans le livre de Psaume 103. Et quand les deux derrière maintenant, on est trois vers la fin. Alléluia. Je vous fais pas. Je veux t'expliquer quelque chose. Il ramène bimantan. Psaume 103 rapidement. Derrière, dans quand on est pour quoi attends. Psaume 103 le verset 20. Bénissez l'Éternel. Vous ces anges, qui êtes puissants en force. Vous voyez. Les anges sont puissants en force. C'est un problème. Il y a puissant, il y a force. Mais on dit, tu veux bien. Et qui exécutait? Qui exécutait? C'est ça. En obéissant à la voix de sa parole. Quelle est la parole de Dieu? Et un c'est la Bible. Et voyez là. Alléluia. Et ben, donc les anges obéissent à la parole qui est dans ta main. La parole dit, est-ce qu'ils obéissent à cette parole-là? Alléluia. Et ben, alléluia. Et ben, alléluia. Et ben, 21. Donc, oui, allez-y. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées. Donc nous ne sommes pas l'armée de Dieu. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Nous sommes l'armée de Dieu. Amen. Bénissez l'Éternel. Voilà. C'est bon. Psaume 82. Psaume 82. Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. Il juge et le point au milieu de Dieu. Donc, alléluia. Alléluia. Le verset de 6 maintenant. Le verset 6. J'avais dit. Ah, je veux bien. Vous êtes des dieux. Donc, il y a un et non, il parle plus. Peut-être c'est moi, c'est de moi, il parle. Alléluia, le premier parle de Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. 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 Les poétiques, je déclare, je suis le fils du Dieu Très-Haut. Je déclare que je suis le fils du Dieu Très-Haut. Je suis le fils du Dieu Très-Haut. Asseyez-vous. C'était ce que tu avais dit sur Adam. Nous Adam c'est pas dit dominer. Donc toute la créature devait adorer Adam. Et Adam devait adorer Dieu. Oui, pourquoi il a dit Adam me voulait bien dans terre pour content pour la fin. Donc tu veux vous dire par là quoi? Que ces démons au nom des sorciers. Et le dernier verset que le groupe me disait, c'est Hébreu. Ça, c'est maintenant ce qui dit vraiment tout ce que je voulais faire comprendre. Hébreu, chapitre 1. Hébreu, chapitre 1. Le verset 14, le dernier verset. Je veux bien, pas à propos des anges. Les esprits au service de Dieu. Et moi, il me fait envoyer
pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Il s'agit des anges. Les anges sont servis de ceux qui doivent hériter le salut. C'est vous et moi qui devons hériter le salut. Donc les anges sont à nos services. Mais les anges obéissent à la voix de l'Éternel, à la voix de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la parole, c'est la Bible. Alléluia. Amen. C'est la porte que tu tiens, c'est le peuple que tu tiens, c'est la sainte doctrine. C'est la vérité. Donc les anges ne peuvent qu'obéir à la vérité, à la voix de la vérité. Et ils sont servis. Donc là, les démons aussi, le diable aussi a repris le même système. Et il a mis les démons au service des sorciers. Et c'est ce sorcier qui envoie cette démon pour vous attaquer. C'est pourquoi la Bible dit toujours dans le psaume 82 que vous tombez comme des héros, quelqu'un qui est des esclaves. Lisez-nous ça, cette partie-là. On va lire cette partie-là. 82, toujours sur 82. Psaume 82, verset. Descendez un peu. Juste après ce qu'on a lu tout à l'heure. Je relis le verset 6. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous comme un prince quelconque. Vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Mais vous êtes des dieux, ne vous êtes pas dit ça. Jésus l'a rappelé ça. Jésus a fini. Nous pas vite en. Ne vous êtes pas que vous êtes des dieux. Mais maintenant, il y a un problème. Alléluia, mais vous tombez comme un prince quelconque. Parce que vous méprisez ce qui est en vous. Donc ces démons arrêtés communiquent avec Satan dans la famille. On aura encore l'occasion de vous expliquer. Il y a une différence entre les démons et les anges déchus. Il y a une grande différence. Alléluia. Donc, le diable connaissant la destinée, parce qu'il a assis à ça. Alors, les démons de la famille vont informer les sorciers. Tel enfant qui vient de naître là, avant que l'enfant ne naisse, on sait. Parce que ça porte tous les signes. Donc cet enfant est porteur de quelque chose d'une destinée. Et cette destinée peut détruire le monde des ténèbres. Donc en même temps, ils vont communiquer aux sorciers de famille pour combattre, pour détruire, pour renverser la destinée. Pour détruire la destinée. Donc comme la pensée que la personne va devenir peut-être médecin. Alors, on va le désorienter. On va le mettre sur le chemin de devenir militaire. On va le devenir ouvrier, de devenir chauffeur, etc. Parce que en changeant de destinée, en changeant de chemin, il va se perdre. Mais chaque étape du processus, le diable ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Il sait ce qui va se passer. Mais il ne sait pas quand. Alléluia. C'est pas vous dire que le diable n'a pas assez au futur. En réalité, non. Il va agir, influencer nos pensées. Pour assurer nos pensées. À sa volonté, il va nous assujettir, il va nous donner des pensées, il va nous amener à agir selon sa volonté, selon ses désirs, afin de nous capter, pour nous détruire, de nous écarter en vain de Dieu. C'est son but. Mais Dieu maîtrise étape par étape ta vie. Allez, mais ce que tu peux acclamer ce Dieu, il connaît chaque seconde de ta vie, seconde par seconde. Le diable ne connaît pas
Si le diable ne connaît pas, alors est-ce qu'on va dire c'est un bocor qui connaît quelque chose? Si le bocor est intelligent, si le bocor est vraiment intelligent, il n'allait jamais faire ça. Parce qu'il doit d'abord s'interroger sa propre vie. Si je meurs, je dirais où? Qu'est-ce que ça se passe? Alléluia! Je pouvais ouvrir ça. Mais Satan n'a pas assez à ça. Non. Si Satan n'a pas laissé les 16 agents là qui ont assez à ça. C'est pourquoi tu n'es pas qu'au consulter de les demeures. Non. La connaissance c'est moi. Je suis la connaissance. Satan n'est pas Dieu. Satan est une créature de Dieu, n'est-ce pas? Attends les anges. Je pouvais détruire Satan depuis. La Bible dit que avec le sou de ses narines, tu vas le détruire. C'est ce que la Bible dit dans tes oreilles. Sou de ses narines va détruire Satan. Soit du sou, on n'a pas dit qu'il n'a pas ça. Il va seulement la Satan. Quel est le tout puissant? Et nous disons, hey, yo, ma wodo, ma wodo, on le donc, tu ne veux pas consulter? Et nous jouons dans mes sorciers. Vous savez pas d'accord? Lorsque tu vas vouloir consulter tes verres, tu dois prendre une identité. Alléluia! Et nous jouons dans un sorcier. Tu vas donner ton identité. Tu vas t'engager toi-même. À ça, vous voyez, alléluia. Amen. À Satan. À ça, tu as oublié en dessous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lors des consultations, là, ce sont les esprits de mort qui parlent. Mais quand on est dans la salle, on est dans la alléluia. Amen. C'est pourquoi le peuple de Dieu ne peut jamais, il ne doit jamais consulter. Et nous disons, ma voix m'a nappé, invitons les dons, et mon aïe a été récan, quoi, et quoi, quoi. Dieu a dit dans sa parole, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fait. Il m'a de l'aveuglement, il va périr. C'est pourquoi il a dit, je vais vous envoyer. Le Saint-Esprit. Et nous sommes il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous révéler les choses à venir. Nous ne voulons pas le soleil. Et le Saint-Esprit, tu ne payes pas. Tu n'as pas besoin de cola. Ni de coq, ni de rien à donner. Non. Alors vous devez apprendre à connaître au contrôle de l'année pour n'importe quoi. Et il est en toi. Bon, puis comme il est en ma route des bades et le bohème. Alléluia. Amen. Abidi, il est en toi. Puis bon, ma route des bades et le bohème. C'est pas fini. Et quoi? Il est sur toi. Et est le bohème qui? C'est pas fini. Et le quoi? Il est avec toi. Et le quoi? Ah oui. Ah. Ah. Et tu vas consulter tes dettes. Et le disant pour quoi canal est comme au bio. Oh. On va dans le secret de ta maison et parle au Saint-Esprit. Il te parle de ta vie. Maudit celui qui s'appuie sur l'homme. Alléluia. Amen. Tu es les maudits. C'est qui va jamais rester dans sa vie. Père Jésus. Amen. Peuple de Dieu. J'ai dû ouvrir cette parenthèse pour vous montrer que notre Dieu est un Dieu qui connaît le temps, qui connaît tout. Et nous devons gagner la confiance. Donc le péché d'Adam a conduit toute l'humanité dans la désobéissance. Et pour autant de Noé, Dieu a dû détruire la terre. Par les eaux. Et il a conservé une petite race. La race de Noé. Et plus tard, encore une fois, la race de Noé, encore une fois, c'est des méchants.
Tous les jours, l'homme excite la colère du Dieu. Dieu provoque la colère de Dieu tous les jours. Et la condamnation plane sur l'homme. Et la mort plane sur l'homme. Alléluia. Et le problème, c'est que l'homme est ignorant de tout ça. Bon, et pourquoi il a quand même un homme? Pourquoi il a quand même un homme? Donc l'homme est insouciant en réalité de ce qui va lui arriver. Et maintenant, il vit dans une sorte d'insouciance totale. Bon, oui, j'ai l'argent, j'ai des maisons, j'ai des enfants qui étudient, Tout l'homme, en réalité, est ignorant de ce qui va se passer. Chaque instant de sa vie, il ne maîtrise pas les choses. Et ça peut en être sur lui-même. Il s'appuie sur ses richesses de ses biens. Et il pense qu'il dispose le temps. Il fait des programmations, mais des programmes, des plans. Il va faire des budgets. Ah, demain prochain. Alléluia. Et l'homme se croit maître du temps qui ne maîtrise pas. Et la mort vient le chercher par surprise. Pendant que la mort vient le chercher, il ne s'attendait pas. Et la mort vient le chercher dans le péché. Cela, ça fait mal à Dieu. Parce que l'homme s'en va pour l'homme s'en va pour toujours dans la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est le feu de l'éternel. Et l'homme va rester sur tout le monde d'éternité en éternité. Bon, et bien pour mes frères, ma c'est pourquoi Dieu l'appelle mon fils. Le temps que Dieu ne t'appartient pas, tu peux mourir à tout moment. Longtemps même, je te vois, tu vas pour te frapper. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Péché, c'est un péché. Donc, tu vois, que la mort planait sur l'homme. Nous marchons avec la mort. À cause du péché. C'est pourquoi Dieu veut que l'homme se réveille. Réveille afin que ce temps ne te supprime. Parce que lorsque ce temps vient, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Lorsque ce temps vient, faire. Oh, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Tes richesses ne peuvent plus rien faire. Tes amis ne peuvent plus rien faire. Tes intimes ne peuvent plus rien faire pour toi. Tout ce qui était proche de toi ne peut plus rien faire pour toi. Tu ne peux plus te repentir. Tu ne peux plus demander pardon. Tu ne peux plus prier. Alléluia. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus chanter. Alléluia. Amen. Ce temps va venir. Ce temps va venir. Mais est-ce que tu connais ce temps? Non. Ça veut dire que chaque instant pour toi, c'est un instant de réveil. C'est pourquoi on te dit que les temps sont finis. Va tu continuer à demeurer dans le péché. Le temps que tu as passé dans le péché est fini. Le temps que tu as passé dans l'orgueil, dans la vanité, dans la vanité, c'était fini. Si tu persistes, oh, tu vas traverser ce rideau-là.
Tu vas traverser ce rideau. Cette porte de notre retour. Pour se richer de ton paix. Et il voyait Lazare loin de lui. Et c'est là qu'il a compris en réalité. Tout ce qu'il faisait était grave pour son âme. Et pourquoi tu as besoin de cet état? Alléluia. Amen. Beaucoup sont dans cet état actuellement. Les temps sont finis. Répondez-vous. Quittez-vous. Quittez-la. Alléluia. Elle ne s'est pas posé ça pour parler. Il m'a dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, écoutez bien. Prenez exemple sur ce qui s'est déjà passé. Regardez ce qui s'est passé au temps de Noé. Observez comment la colère des personnes au temps de Noé. Il y a des gens qui pensent que c'est une sorte de mythe. Ça n'a jamais existé. Le prêtre de ce monde a aveuglé. Il voit la lumière dans le monde. Non, ça c'est ténèbres. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur sens réel. Il a livré à leur vanité. Et il se rit de nous. Alléluia. Je serai des fils des hommes. Père de Dieu, les temps sont finis. Quand dit Jésus à la fois ses mains. C'est encore une autre révélation de ça. Alléluia. Amen. Parce que quand veut ou pas, qui pleuve ou neige, Jésus revient. Il revient. Il va revenir. Il doit revenir. Et il revient. Musulman, catholique, évangélique, animiste, bouddhiste, un certain. Et qui Bocano, petit chat. Bocano. Jésus revient. Jésus dans les corazons. Jésus revient. Jésus les corazons. Jésus revient. Jésus les corazons. Que tu veux ou pas, Jésus revient. Matrano, matrano, Jésus dans les corazons. S'il revient, c'est trop tard. Bon, ayez qu'à les corazons, nous voyons, et vous pouvez nous faire deux. C'est pas du plein des exemples sur ce qui s'est passé. Prenez des gens ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Prenez ces exemples pour changer vos voix. Le temps que vous avez ne vous appartient pas. C'est pourquoi Jésus va nous dire, allez vers ceux-là. Allez vers ces peuples ignorants. Allez vers ces rebelles. Allez dans la maison des rebelles. Parlez au cœur des rebelles. Qu'ils entendent, qu'ils ne vous entendent pas. Parlez. Ce que vous leur direz sera le bon jugement. Alléluia. C'est pourquoi la mission d'évangélisation est capitale. Si nous ne sortons pas, allez évangéliser, allez prêcher, allez annoncer la mort de Christ pour le péché. L'amour de Dieu pour l'humanité. Le retour de Jésus pour l'humanité. Pour de Dieu, beaucoup iront en enfer. Et beaucoup sont déjà à l'enfer. Pas parce qu'ils ont voulu. Parce qu'il n'y avait personne.
Qui allait prêcher l'évangile? Qui allait prêcher le vrai évangile? Alléluia! Pas parce que sinon j'avais entendu parler de Jésus. Mais ils ont entendu parler de Jésus. On leur prêchait Jésus. Mais le Jésus qu'on lui a prêché en réalité, c'était Jésus qui a accepté tout. Jésus c'est Jésus qui marche avec tout. Et le tu peux avoir un peu les choses d'enfant chez toi à la maison. Ça c'est rien. Il faut regarder toujours en arrière. Alléluia. Mon frère, si tu regardes en arrière, tu seras comme quelqu'un dans la parole de Dieu. Tu seras comme la femme de l'homme. Alléluia. Amen. Si c'est Jésus qu'on lui a prêché, un Jésus qui accepte tout. Jésus le nom qu'elle a pourvu que tu viennes chanter pour lui. Et pour moi, wa gira. Pourvu que tu viennes à l'église le dimanche. Wa au Saint Belin. Pourvu que tu prennes à toutes les offrandes. Eh, madame, tu es là. Oh, c'est bien. Jésus amour. Jésus wa yu. Frère, non, que... Jésus-Christ est vraiment amour, mais il y a... Alléluia! Il y a la face cachée. Ah, ni nous m'entendez de cet amour. Voilà. Le revers de la médaille. Alléluia! Amen. Qui a le feu brouillant? Jésus là, Jésus est vraiment amour. Et nous pouvons envoyer, non, mais... Il a séparé son amour de sa colère. Bon, moi, il t'en Et il a ouvert un temps pour montrer son amour. Bon, alléluia. Jésus a ouvert un temps, une porte. Et vous, pour manifester son amour. C'est ce temps qui est en train de finir. Bon. Parce que le jour vient, le jour de l'éternel approche, le jour du Seigneur approche, le jour de sa colère là, ce jour sera terrible. Les temps sont finis. Les temps de l'amour de Jésus, de Dieu pour l'humanité. Ces temps sont presque finis, sont finis. Oui, nous, moi, ma bonne, ma autant, et au gain du bon péché. J'ai attendu un temps, plus de 120 ans au temps de Noé. Et ma on a bon père pour nous. Avez dit que nous avons plus de 120 ans pour prêcher aux gens. Noé, et il est bon, fréquent. Les gens sont là pour le temps de se repartir, mais ils sont refusés. Bon, bêtement, donc, vous n'avez pas de voyage. Ah, le temps est fini, entrez. Et là, vous l'avez dit, on se moquait de lui. Mibian, moi-même, Mibian, à quoi me dire, eh oh, eh oh. Le temps, je viens. Bon, tandis que moi. Dès lui, j'entends de venir faire les rentrées, c'est fini. Non, c'est comme le miroir, et le père de miroir. Jésus le veut de lui. Alléluia. C'est pourquoi nous devons et nous faisons maintenant prêcher rien que cette parole. Là au Croyant. On a prêché aux gens. Mignon, là nous faisons. Un Jésus qui est riche. Jésus qui s'y dé. Non, non, mais donc, oui. Un Jésus, quand tu viens à lui, tu vas recevoir guérison. Jésus aime avoir un mot et un vin et bon. Alléluia. On a conditionné Jésus à quelque chose. Hein, Jésus. Il est ça, Jésus. Il est ton néo. Nous pétons là. Peuple de Dieu. Pour m'auton. Jésus n'a pas déposé la vraie foi. Mais là, il est mort. On a déposé du foin dans la vie des gens. Nous ne savons pas à Israël, mais on a dit ici quoi, quoi. Alléluia. C'est pourquoi les gens n'ont pas de foi. Ils meurent. Et nous sommes maintenant et nous comme un prince de contre. Il y a un coup. Il y a un gaïd. Et ils se retrouvent. L'ennemi dans sa colère. Beaucoup pensent que quand ils vont mourir, on va prier pour eux. Bon, peut-être que quelqu'un l'aide. Et non, quoi, il a beaucoup pensent que quand ils vont mourir,
Ils iront quelque part, quelque part dans cet endroit, pour passer une sorte de pub, pour purger la peine. Bon, il a nos pieds, il a soif. C'est ce qu'on a mis dans leur tête. Et ils sont vraiment fanatiques, ils sont vraiment obsédés à ça. On ne peut pas leur enlever cela. Non, on ne peut pas leur enlever. Avant de faire des bains de vitesse de 15, de 40, je ne sais pas. Il y a un blanc, on a un de nous, on va même plus sur la table. Mais ce que les gens ont oublié, il y a une parole dans la Bible. Il ne veut pas dire. Comme il est réservé aux hommes de mourir, il est réservé aux hommes de mourir. On ne l'a pas prêché ça. On a prêché Jésus qui, tu as fait des efforts. Jésus nous voit, il m'en a pas. Alléluia. C'est pourquoi Jésus m'a dit, enseignez-le ce que je vous ai prescrit. Mais pourriez nous des sortes de lumière. Enseignez-le. Mais nous avons une mission. Et promis. On ne va pas aller sur le terrain et embrasser le péché. Dieu n'est pas le péché. Dieu n'est pas le péché. J'aime l'homme pécheur, mais il n'est pas le péché. Je ne peux pas vivre le péché, Dieu m'aime. Non, tu n'es pas le péché que tu pratiques. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On doit les amener à Christ. Vous aussi, vous devez amener les autres à Christ. On va faire deux disciples. Ceux qui vont suivre la voie du maître. Qui vont mettre la vie de sanctification. Il y a ce mot-là qui sonne mal dans les oreilles aujourd'hui. Peuple de Dieu, ne vous découragez pas. Crier dans les oreilles, c'est la sanctification qui est dans le ciel. L'évangile, c'est que c'est la sanctification. C'est ça, pour rien. Crier là, vous devez votre même plus. Nous n'ayons un aussi calme. Enlevez vos mèches. Mettre au coup, mesdames, il tenait une blague. Mignon, enlevez le maquillage. Nous n'ayons pas très dans le coup. Oh, enlevez un million d'auto. Enlevez. Les abdominaux de vos maisons, enlevez-les! Ce sont des idoles! Criez-le! Mais ta foi! Jésus n'est pas dans Noël! Jésus au Noël de mer, amen! Vous adorez quel Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Jésus est à Ou c'est Noël? Tabi Noël, c'est dans quel pas dans quel pays vous voyez Noël? Bible, il est vous suivez qui? Noël de mer. Est-ce des hommes? Ou la parole de Dieu? C'est Noël qui sort? Noël, on ouvre mes gants. Noël est mort pour quelqu'un à la croix. Noël, d'un coup, est-ce que Jésus a demandé qu'on fasse une fête pour lui? Jésus est un acte de l'imblon pour aider d'autres à tomber. Les gens ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas Dieu. Jésus a été ils vont rentrer dans un réseau charnel. Il est né. C'est pas la naissance de Jésus qui me sauve. Non. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui me sauve. De Dieu. Amen. Vous devez crier à le cœur. Il peut vous lancer des pierres. Amen.
alors faire pour faire pas, pas parce qu'ils vont vous dépailler. Vous serez devant eux et ils vont vous menacer, n'ayez pas peur. Ne les craignez pas. Alléluia. Ne les craignez pas. Parlez-les. Tu n'es pas dans Noël. Tu n'es pas dans janvier. Tu es dans la parole. Peuple de Dieu. Nous devons, Seigneur, peuple de Dieu. Nous devons sortir. C'est le moment-là. C'est le moment de grande campagne. D'évangélisation. Parlez-leur. Quand Esaïe a reçu la grande vision, il a vu le Seigneur les ténèbres. On dit le temps de ça donc remplissait. Et le temps. Et il va envoyer ses reflets. Mais avant qu'il voici, vous voyez que lui, Esaïe a vu Dieu. Et il a péché. Parce que la, c'est pas dit que Dieu là, on peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Dieu c'est la sainteté extrême. Et sa sainteté devient comme un feu. Bon, quand le péché s'approche, il consomme. C'est ce qu'il va rappeler à Moïse. Alléluia. Amen. La sainteté de Dieu est terrible. Elle est terrible. On ne peut pas accéder à Dieu. Ah mais dis que devant son trône, il y a une mer de feu. Il y a une mer de feu. Une mer de feu. C'est pas le feu que nous utilisons ici. La température du feu de Dieu là. Ah oui. Si on doit multiplier, on va faire un peu de 1 million de degrés. Si Dieu descend dans ça, c'est déjà tout le pays, mais toute la vie ne sera consumée par le feu. Et non, moi, on est soit gâté. Alléluia. Oui, comment guide moi. Et ça, c'est là, j'ai péché. Et ça, il doit avoir moyen de toi. Et c'est là l'un de ses rappels. Mais c'est ça le corps et wa. Alléluia. Vous êtes pour le plus fort. Aïe, attendons. Papa Jésus. Amen. Et ce charbon de feu, c'est ça qui est la scène d'autre que tu reçois. Bon. Et néant, Est-ce la scène d'autre qui te sanctifie? C'est la vérité qui te sanctifie. C'est la parole qui te sanctifie. Qui enverrai-je? Même n'a pas fait d'eau. Alléluia. Amen. Tu es sanctifié déjà. Mais qui enverrai-je? Non, même n'a fait d'eau. Qui enverrai-je? Même n'a fait d'eau. Pour parler à ce peuple de mer. Pour parler à ces faux chrétiens. Pour parler à ces religieux. Pour les crier. Jésus mon Dieu. Dieu dans les corps. Mais ouais, sauf une fête au Jésus veut ne plus une prophétie. Alléluia. Jésus n'a les corps et Jésus veut ne plus une révélation, c'est une réalité. N'a les corps et soi, non. Mais mon Dieu, Jésus n'a les corps, nous, boy, nous, qui te voit pas, il n'a pas de salé. Pour de Dieu, nous devons nous lever. Donc, dans ton milieu d'enfant, nous devons nous lever. Mais nous, l'enfant, je vous dis, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Mais nous, l'enfant, nous sommes en train de puiser les derniers secondes. Tout est déjà en place pour que Jésus revienne. L'abomination de la désolation s'installe. J'ai vu la Bible, il y a environ 2 semaines comme ça. Où ils ont lancé un appel de fond à la construction du temple de Jérusalem. Alléluia! Sur le temple, il y a des religions centrales. Il y a l'islam. Il y a le judaïsme. Il y a le catholicisme. Le mot d'ordre qu'ils ont dit quoi? Que chacun vienne pour adorer Dieu selon sa manière. Alléluia! Amen.
Dieu a dit que la concentration des religions est déjà engagée. Donc, l'abomination veut s'installer dans le lieu très saint. Et dit que mon frère, sachez que Jésus revient. Ceux qui sont dans les montagnes ne descendent pas. Ceux qui sont à Jésus, frère, tout est là. La trompe peut sonner juste après ce que tu dis. Et les apôtres sont déconnectés du Seigneur. Ils sont déconnectés de ces réalités. Et le monde est rempli de distractions. Le diable a détruit l'attention des enfants de Dieu dans les choses vaines. Distraction ici, distraction là, distraction de ce côté. Et le diable occupe l'homme. Occupe l'homme. Même le travail qu'on fait, ça vous occupe. Ça vous occupe de Dieu. Et ouais. Oui, Peter est l'élection, et l'élection a été mes filles. Et il oppresse, le diable oppresse la psychologie des hommes. Bon, alors, si tu ne travailles pas Dieu, tu ne vas pas gagner. Si tu ne travailles pas Dieu, tu vas perdre. Et l'homme passe tout le temps dans ça. Bon, et quand il vient de la présence de Dieu, il est fatigué. Quand il vient de la présence de Dieu, il voit que le temps passe. Non, non, on a des programmes. Alléluia. Amen. Acquittez ce moment. En même temps, programme de boulot va venir en même temps. Eh, côté Pitro, on va travailler sur des dossiers, le ministère, le ministère, ceci. On coupe déjà le vent. Ce ministère va te lâcher. Ce travail va te lâcher. Ce commerce va te lâcher. D'un jour à l'autre. Mais pendant ce temps, où seras-tu? Regardez le l'homme le plus riche du monde, de l'histoire. Il va parler dans l'Église, il va parler. Il a tout. Et nous prie. Je vous avais dit le centre le plus élevé dans le monde à l'époque. Et Yahweh, comme je nous vois les États-Unis, comme le pays le plus puissant. Et tout le monde a dit, c'était comme ça le roi d'Israël à l'époque. Pourquoi Israël fait un poisson et le roi de Salomon il va parler. Il va parler sur l'ouvrage des hommes. Et là, donc, on doit être. Je vais passer avec Christian. Dans le temps, on va aller en tout temps vers la fin déjà. Dans le temps. Je lis au nom de Jésus. Amen. Merci. J'ai dit à mon cœur. Allons. Je t'éprouverai par la joie. Et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Ah! Regardez le Bible, ce qu'il a dit. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais de goûter le bonheur? Est-ce que c'est mauvais de goûter la joie? Mais le roi le sage de l'eau, le temps, va dire ça, c'est une vanité. Et la foi, oui. Alléluia. Et même Dieu montre qu'il fait cette vanité. C'est éphémère. Le bonheur que tu recherches, tu as mis tout ton cœur. Tu t'es attaché à ce bonheur. Tu as payé le sein de lui pour ce bonheur. Le bonheur vient. Et quelques instants après, tu vois que ce bonheur est Dieu. Il faut chercher à notre autre bonheur. Alléluia. Et l'homme coule derrière du vent. Ça, c'est l'un des mystères de Dieu. Dieu a mis l'homme dans les vanités. Pour qu'il le recherche. Que l'homme quitte la voie de vanité et le recherche lui. Il dit que ma joie est éternelle. Alléluia. Ma paix est éternelle. C'est pas une paix. Aujourd'hui, on va passer ensemble. Et que la nuit, quelqu'un va faire mon père et le lendemain, ah, on va pas sur le travail. Non. Et non. Milano, pipa, mais. Que j'ai le cas dans la coupe, ça va être pour moi. Et oh, mais là, on m'a dit qu'on va quadrer les ponts pour mon débat. Et bon. Alléluia. Pour Dieu. Donc, maintenant. Tout ce que nous faisons, c'est la vanité. Non, des boulots, mais des exemples sur des chances. Misez.
les hommes les plus puissants que nous sont passés. Alléluia. Ils sont passés sous nos yeux. Ils sont passés sous nos yeux. Des enfants sont passés sous nos yeux. Sont sur la terre aujourd'hui. Sont sur la terre. Ils ne s'attendaient pas à ce jour-là. Alléluia. Amen. Toi qui m'entends en ce moment, entre toi et examine-toi. Quitte la voix de la vanité. Voici à lui. Voit-on dit. Quitte la voix de la vanité. Voici à lui. Voit-on dit. Quitte la voix de la vanité. Voici à lui. Et recherche la voix du Dieu tout créateur. Bon, parle ma voix, m'autant. La voix de Jésus. Ali, Jésus-Christ. C'est quoi quand il dit je suis le chemin. Et nous raison que Jésus vient là, il y a un lion. Le chemin qui te sort de la vanité là. Ah, ah, lui, c'est moi Jésus. Oui, au que Jésus. Et le diable a emprisonné toute l'humanité dans ça. A oublié et tout vanité. Donc il a jeté l'humanité dans la vanité. Voilà. Nous devons sortir. Nous devons sortir petit. Nous n'entendons. Sortez. Allez annoncer Jésus. Allez parler de Jésus. Vous allez rencontrer plusieurs types de personnes. En chemin. Il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Le message qui sera adressé à leur part. Alléluia. Amen. C'est pas d'abord que je voulais raconter que Jésus, quand il parlait aux disciples, il utilisait un langage différent. Quand il s'adresse à la foule, il utilise un langage différent. Quand il s'adresse aux religions pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, aux douleurs, alléluia! Vous allez rencontrer des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Nous étant pharisiens là, sur le champ, le message à leur adressé est différent. Vous allez croiser la foule, ceux qui cherchent, ceux qui ont fait, ceux qui ont soif, mais aussi comme vous. Vous allez les croiser, le message est différent. Moi, il m'y a tout et il allait beaucoup. Vous allez croiser encore d'autres. Qui sont les disciples? Le message aussi est différent. C'est pour les semer un peu partout dans le champ. Et nous raison, minato. Le message pour les religieux au camp est à Missaï. Le message est dur. Alléluia. Amen. Le message est dur. Oui, c'est pourquoi Jésus et les pharisiens ne s'entendent jamais. Jésus et les pharisiens ne sont jamais entendus. Pharisiens les poignets. Donc vous les religieux, vous n'allez jamais vous entendre. Donc mille Et ceux qui sont obstinés à leur foi, à leur fausse foi, ne vont pas vous entendre. Ceux qui s'appuient sur leurs prophètes, vous n'allez jamais vous entendre. Ceux qui s'appuient sur les statues, vous n'allez jamais vous entendre. Ceux qui s'appuient sur leurs groupes, vous n'allez jamais vous entendre. Ceux qui s'appuient sur leurs ancêtres, mais non, ça, il est là, vous l'avez dit, tant que vous vous mettez là, ce sont eux les religieux. C'est eux les messages des dieux. Alléluia. Et non, signez des sons. Pourquoi il y a le cœur? Mais non, ça quoi? C'est comme ça, apparemment, épée à tout tranchant. Et oui, oh, il dit, non, oui, non. Vous avez vu comment Jean-Baptiste a prêché? Mais mon Dieu. Race de petit père. Qui vous a appelé à fuir la colère de Dieu? Mais ouais, comme combien d'autres ont compris que nous sommes fidèles? Pourtant, personne n'a levé la main sur Jean-Baptiste. Mais non, vous devez même vous faire la de Jean-Baptiste. Il les a traités de droit de pipère! Et des comptes de Dieu, vivons ma poitrine. Jésus a répété ça devant eux. Bon, Jésus, le sang et moi, et le bonheur. C'est ça, rien ne va vous arriver.
Parce que c'est votre Père qui parle par votre Père. Et vous conduira sur chaque terrain. Le message à donner, vous conduira sur chaque terrain. Et ne vous inquiétez pas. Vous avez la couleur de moi. Là, d'ici, vous allez dans une maison éclairée pour le soir d'un père. Et que votre père demeure. Et si vous y allez et que les gens vous chassent, les gens ne veulent pas votre père. Que votre Père se retourne sur vous et secoue les plantes de vos pieds comme un signe. Alléluia. Ils vont vous entendre comme ne pas vous entendre. Rappelez ce que Jésus a déjà dit, c'est Jésus a dit à Ézéchiel. Parle, qui t'écoute ou pas, parle. Ce sont les repères. Ce moment-là, ils sont de s'affairer pour les fêtes. Le temps se profite pour multiplier les accidents. Et poussent beaucoup dans des choses abominables. Ceux qui vont se livrer à la prostitution vont se livrer à la prostitution. Ceux qui vont se livrer au braquage vont se livrer au braquage. Mais la seule idée, ceux qui vont se livrer à la corruption de la société. Et nos pieds à droite et mais il en a pas encore été. Ceux qui vont se lever bientôt, mais le matin, en travaillant au travail, à leur marché. Donc le diable va couper chacun. Mais Jésus va nous occuper nous aussi. Alléluia. Jésus va nous occuper. On ira prêcher devant Dieu. On va saluer Dieu. Si on vous saisit, on vous amène comme cela. Prêchez l'évangile. Pour le si on vous chasse dans ce quartier, allez dans un quartier. Si on vous chasse allez dans un autre. Pendant que vous êtes dans le quartier, vous cherchez. Alléluia. C'est le message que le Seigneur veut vous donner ce matin. Oui, ne regardez pas vos conditions. Mais m'en fait quand on il y a une gloire éternelle. Qui comment vous m'envoyez le alléluia. C'est un petit moment de souffrance. L'espérance, cette gloire nous est réservée. Et Jésus-Christ est dans les détails. Alléluia. Jésus est dans les détails. Dis à celui qui a connu toi, Jésus est dans les détails. Jésus est dans les détails. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Jésus dans les détails? Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Oui. Partout. D'accord. Vous venez de poser deux ou trois pas. Vous avez raconté ça. Vous avez raconté ça. D'accord. Alléluia! Je ne sais pas exactement ce que vous avez dit. Jésus est dans les détails. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. La dernière fois, on avait étudié le Néhémie. Alléluia, c'est bien. C'est bien l'histoire, vous avez compris. Mais là, on a un niveau donné dans le livre, on ne va pas citer les noms. Oh, c'est le star de Philippe, mais c'est quoi ce nom-là? On n'a pas de question, c'est le bon, vous nous apporter. Oh, Christ, c'est le nom, il dit ce que chacun a fait. Alléluia. Il est dans les détails. Tout ce que tu fais, il écrit. Nous devons regarder. Alléluia. Même le Seigneur de donner de l'eau à quelqu'un, il écrit. Dans ce pile, dans le micro là, il a écrit pour toi. Le temps de prendre un frère sur le temps de médiation, il a écrit pour toi. Il va le recommander. M'envoie des pardons et n'a pas de nous. Chaque fois que tu poses, j'ai ce que tu as reçu. Et oui, oui. Tout ça va pousser à Kounon et Bokanoué. Alléluia. Ça va pousser à donner un fruit. Bon, si le fruit est mauvais, si c'est bon, tu vas aussi pousser. Si c'est un
C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Faites connaître au Seigneur vos besoins. Pas de prières, pas de supplications, pas de insupplications, en tout temps, en tout lieu, rejouissez-vous. Alléluia, rejouissez-vous. Ne soyez pas paniqués, on n'a pas mangé, ça c'est pour moi, c'est pour le corps. Et il faut que le corps se détruise pour que l'esprit soit glorifié. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi j'ai plus peur de la mort. Moi je n'ai pas peur de la mort. La mort c'est un passage pour moi. Jésus-Christ! Alléluia! Alléluia! Si tu ne propose pas de vie, c'est fini! Parce que Christ est en moi et l'espérance de la gloire. Qui est venu ce matin? Mais ouais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, la gloire va prier. D'abord, nous allons rendre gloire au Seigneur pour ce message solennel qu'il nous a donné pour nous pousser encore dans la mission qu'il nous a faite. Ta voix et rends-lui grâce. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Ta parole est comme la manne qui descend du ciel. Et j'en ai mangé. Et j'en suis rassasié. Et j'en veux encore, Seigneur. Je te dis merci. Prie au nom de Jésus. Rends-lui grâce en tout temps. Élève ta voix et prie, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce message. Remercie le Seigneur pour ce message si puissant. Ce message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as encore fait cette prière. Allez, on est là. Tu sais. Attends. Beaucoup ont été touchés par ce message. Et beaucoup ont dit, ah, moi je vais le faire. Mais vous allez le faire comment? Avec votre force. Avec votre argent. Avec votre sagesse. Avec votre pouvoir. Vous n'y arriverez pas. Alléluia. Vous n'y arriverez pas. Donc il faut forcément. Comme c'est un travail spirituel, et le résultat sera spirituel, alors nous avons besoin des outils spirituels. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier encore. Tu vas demander au Saint-Esprit que ce message que tu as entendu, que ce message soit enraciné dans ton cœur. Que ce message t'enseigne encore. Que ce message t'ouvre encore les yeux. Pas que tu vas poser dans la mission. Et lève ta voix, commence par prier. Lève ta voix, prie. Demande au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, à la puissance divine, d'enraciner cela dans ton cœur, de faire cela dans ton cœur comme un feu qui bouillonne. Que ce feu qui brûle en toi, partout où tu seras, que ce feu brûle en toi, que tu ne retournes plus dans le fadeur, dans la tiédeur. Non. Demande au Saint-Esprit, d'y demander, et l'on vous donnera. Demandez à l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui suscite le vouloir et le faire. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Maintenant cette parole, faites le feu dans mon cœur. Transforme cette parole en un feu dans mon cœur. Que le sel de l'évangile embrasse mon cœur. Embrasse mon cœur. Embrasse mon cœur. Embrasse mon cœur. Oh Seigneur. Seigneur. Oh, fais de ta parole un feu dans mon cœur. Que cette parole devienne feu moi. Que cette parole devienne sel. Un sel nouveau. Seigneur Jésus, la
50. Oh, tu m'as dit de lever les yeux, de regarder. Que les choses ont déjà blanchi. C'est l'heure de la moisson. C'est l'heure de la moisson, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, que le feu de l'évangile. Brûle-moi. Oh, que le zèle. Oh, descends sur moi. Oh, ce zèle que prière va manifester. Et pouvait garder 3000 personnes en une seule journée. Oh, Seigneur Jésus. Je vais amener toute l'humanité à toi. Je vais amener les féticheurs à toi. Je vais amener les marabouts à toi. Je vais amener les religions à toi. Oh, Seigneur. Je vais amener les philosophes à toi. Je vais amener les scientifiques à toi. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, donne-moi ce zèle, donne-moi cette connaissance, donne-moi la connaissance de la parole, donne-moi la révélation de la parole. Oh, prie, mon bien-aimé, prie. Tu dois être comme un soldat enflammé, équipé. Il le fait prie. Il est en train de prier sérieusement. Tout ce que tu demandes, crois que le Seigneur te l'accord. Parce que ce que tu demandes, ce n'est pas pour devenir riche sur la terre. Ce n'est pas pour conduire des voitures. Mais c'est pour agrandir le roi de Dieu. Donc tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans son plan. Et tout ce que tu demandes, tu l'accordes. Ça va dans son intérêt. C'est pourquoi prie. Demande au Saint-Esprit de manifester les dons en toi. De faire manifester les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Oh, de se manifester. De se manifester. Pour que l'évangile que tu vas prêcher soit aussi accompagné de l'Esprit de la grande. Oh, je vois les uns descendre. Oh, je vois les uns descendre. Je vois les uns descendre. Je vois que les gens sont des déshabillés. On a enlevé les vêtements de certaines personnes. Oh, je vois ces vêtements tombés. Des vêtements de lourdeur tombés. Des vêtements de honte tombés. Des vêtements de découragement tombés. Des vêtements de peur tombés. Oh, ils sont là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Demandez. Il est là. Qu'est-ce que tu veux qui te fasse? Oh, Seigneur Jésus. Oh, merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Reçois les vêtements maintenant. Tu reçois les vêtements. Les vêtements des souffriers. Des vêtements des soldats. Des soldats que tu envoies dans le champ. Oh, Seigneur. Qu'ils soient revêtus. Révèle cet esprit. Révèle-le. Ce peuple est consacré à toi. Ce peuple est consacré à toi. Glorifie-toi. Saint-Esprit, glorifie-toi. Glorifie-toi en ce lieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus, Seigneur, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Oh, nous voulons Jésus glorifié. Nous voulons Jésus élevé. Nous voulons pas Jésus élevé en ce lieu. Oh, Seigneur, nous ne voulons pas élevé. Nous ne voulons pas Jésus élevé. Oh, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Disposez-vous. C'est le dispensateur des dons et des puissances. C'est lui qui relève du fumier le pauvre et le fait asseoir à la table des grands. C'est lui qui rend les capables
en parle. C'est lui qui a transformé Pierre. Pierre, qui n'arrivait pas à se canaliser. Il a fait de Pierre un puissant homme. Il a fait de Pierre un puissant homme. Le même esprit qui a transformé Pierre en un puissant homme. En qui a fait de Pierre un homme extraordinaire. Aujourd'hui, descend sur toi. Quand il a croisé Paul, quand il s'appelait Saul, oui, il a changé ce meurtrier, il a changé en un homme très aimé. Le frère, il est là. Il te transforme. Il te donne un cœur nouveau. Oh, vous recevez ce cœur. Vous recevez. Puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez témoin dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Oh, chantez cet esprit. Guéris nos vies en Jésus. C'est le Saint-Esprit dans cette ville. Chantez. Oh, chantez. Dans ce continent, dans le monde entier, personnes touchées, les maladies, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. T'as donné silence. Esprit de Dieu. Seigneur Jésus-Christ. La parole que tu m'as donnée, je l'ai libérée. Papa, tu savais que cette parole n'avait pas été prévue. Tu n'as pas mis ça dans mon cœur, mais tu l'as donné aujourd'hui. Ça montre que ça vient de toi. Seigneur, je prie pour ce peuple. Seigneur, je prie pour cette assemblée. Tu nous as dit que les temps sont finis. Et t'allais annoncer ça à toute l'humanité, et que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Seigneur Jésus, je prie. Ce peuple ne peut pas aller sur le terrain sans être équipé. Seigneur Jésus Christ, tu es le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Papa, quand tu voulais envoyer les 70 disciples, tu les as appris au préalable et tu les as donné le pouvoir de chasser les démons. Tu as donné le pouvoir de guérir les malades. Et tu les as dit, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ce peuple, papa, tu vas les envoyer. Voici ceux-là que tu vas envoyer. Ceux-ci que tu vas envoyer dans ce monde, dans ce pays, dans cette ville, dans ce quartier, pour libérer, pour
pour appeler ceux qui sont perdus. C'est pourquoi cet esprit, avant d'envoyer ses disciples, tu les as équipés. Alors équipe-les. Que celui qui était faible devienne fort. Celui qui était faible devienne fort. Jésus, nous voulons aller dans le camp ennemi pour libérer les âmes. Mais nous n'irons pas avec nos problèmes. Nous voulons partir avec la puissance de cet esprit, avec l'onction de cet esprit. Maintenant, Moi, tes enfants. Cet esprit, tu pouvais dire, l'esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé. Et il m'envoie pour libérer les captifs. Aujourd'hui, l'onction pour l'œuvre. Et donc, on Le vent.
le vent de la vie, le vent de la vie, partout seront. Partout seront, partout seront, partout seront, partout seront, partout seront, partout seront, qu'ils soient les ambassadeurs de la vie, qu'ils soient les ambassadeurs de la paix. Jésus, 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 bénis ton peuple, donne ton peuple, 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 bénis ton peuple, donne ton 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 Seigneur, ce n'est pas encore fini. Après, tu me dis que ce n'est pas encore fini. Tu m'as dit que ceux-ci là, tu vas les utiliser. Tu m'as dit que tu vas les utiliser. Petit comme grand. Ce que tu as dit. Ce que tu as dit, Seigneur, accomplis. Accomplis. Afin que ce soit un signe pour chacun d'eux. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas trompés. Qu'ils sachent qu'ils sont revêtus de ta puissance. Qu'ils sachent qu'ils sont envoyés pour une mission. Pour une mission. Une mission. Tu as dit que c'est beau. Les pieds de ceux qui annoncent la parole. Saint-Esprit. La beauté des pieds. Relève de l'annonce de la bonne nouvelle. Et le salut à toute l'humanité. La bonne nouvelle, le retour de Jésus. La bonne nouvelle. Qui est la grande délivrance. La bonne nouvelle. Qui est la paix. Aujourd'hui, c'est esprit. Que le pied soit lavé. Que le pied soit lavé. Tu as lavé les pieds de tes disciples. Avant de les enfermer. Aujourd'hui, c'est le pied. Lave le pied. Lave le pied. Comme ça, ils pourront écraser le serpent. Comme ça, ils pourront marcher sur les scorpions. Comme ça, ils pourront marcher sur les pouvoirs des ténèbres. Cet esprit, commence pas à laver les pieds de tes esprits. L'esprit de Dieu, commence pas à laver le pied. 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 Oh mon frère, tu vas sortir. Tu vas sentir une fraîcheur à tes pieds. Oh, c'est le Saint-Esprit qui te lave les pieds. Oh, c'est l'Esprit de Dieu qui te lave les pieds. Il te lave les pieds. Il te lave lui-même. Il te lave. Il te lave les pieds. Il te lave les pieds. Il te lave les pieds. Parce qu'il veut te chausser. Parce qu'il veut te revêtir. Tes chaussures que dans le ciel. Tu vas porter ces chaussures. Les chaussures de l'évangile. Les chaussures de l'évangile. L'évangile à la bonne nouvelle du Christ. L'évangile du retour de Jésus. Reçois tes chaussures. Oh, cet esprit. Que tes anges commencent par porter les chaussures. À chaque année. Pendant que tu es là, tu vas sentir que tu deviens léger. Tu deviens léger. Tu vas sentir que quelque chose est comme un chalet qui est en train de flotter tes pieds. Oh, c'est ainsi que tu es en train d'être revêtu de ces chaussures. Tu reçois chacun de recevoir. Personne n'est cadeau. Même les enfants reçoivent aussi. Chacun de recevoir ces chaussures-là. Oh, je vois aussi. Ah, c'est vraiment beau. Alléluia, gloire à Jésus. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Merci Seigneur. Papa, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu l'as fait. Parce que tu l'as fait. Tu n'as pas regardé la condition humaine. Tu n'as pas regardé l'état du cœur de l'homme. Mais tu l'as fait pour ta gloire. Tu l'as fait pour ton nom. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 C'est bon. Oui, oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Rien ne peut nous arracher cet amour. Rien ne peut nous détourner de tout. Oh, Jésus. Papa, je prie. Je prie encore. Pour ce peuple-là. Que tu les revêtes. Du grand bouclier. Le grand bouclier. Le grand bouclier. Le grand bouclier de la foi. Gardons de la foi. Gardons Jésus. 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 Jésus.
Que chacun le soit ce bouclier. Que chacun soit arrivé ce bouclier. Oh, que ce bouclier soit leur protection. Contre toutes les flèches du diable. Contre tous les assauts du diable. Visant à renverser leur foi. Visant à les décourager. Oh, Jésus! Recevez ce bouclier. Recevez ce bouclier. Oh, je vois cette personne qui arrive partout. Je vois cette personne qui arrive partout. Seigneur, donne la force. Donne la force, Saint-Esprit. Donne la force, Saint-Esprit. Donne la force. 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 Recevez la force. Recevez la force. Esprit de force. Descends saisis quelqu'un. Descends saisis quelqu'un. Oh, tu es descendu sur Samson. Oui, il a guetté de Samson. Tu es descendu sur Samson. Il a guetté de Samson. Et Samson devait le puissant. Samson lève pétant. Il pouvait tuer des Philistins. Il pouvait attacher des renards, des centaines de renards. Et renards guetté de pétant. Oh, esprit de force. Descends. Guetté. Descends sur quelqu'un. Tu as glorifié.